moins le séminariste et le qui devint assez plus tard le fantastique sans doute plus de rencontre et le cinéma populaire. Quand on évoque les racines, la preuve, nous sommes au milieu d'elles. Nous pouvons les regarder. Un monument a été érigé en 1935 pour commémorer le passage de Goethe en 1792. Le grand poète avait décidé de suivre ce qui devait n'être qu'une formalité, la marche.